Flash Interview à la Comic Zone. Nous sommes avec Romain Huet et il a moins d'une minute pour se présenter. Bonjour, je m'appelle Romain Huet, j'ai 29 ans depuis 4 jours. Je suis coloriste en majeure partie du temps, sinon je dessine aussi, je m'oriente plutôt vers les enfants. Et je suis aussi auteur de la série Geek Agency avec Philippe Réonis. Bonjour, je m'appelle Gaël ou Gaël Sharp ou Spider Gaël. Je suis illustrateur comics, je suis indépendant. Donc, je dessine dans le comics depuis un peu moins d'une dizaine d'années. Je ne fais pas de BD, mais beaucoup d'illustrations, des commandes particulières, ce genre de choses, des designs pour le jeu vidéo. Et voilà, en gros, je suis là par ces illustres artistes du comics américain et je suis très content. Voilà. My name is Romano Molinar. I'm from the Netherlands. I've worked on several comics throughout the years, Top Cow, Marvel. My last run was for DC Comics, and loving my job, what can I say? Hello, my name's Trevor Hairsign. I've drawn for Marvel, DC, Valiant. I've drawn the X-Men, Captain America, Spider-Man, and now, hold on, Divinity for Valiant. That's what I'm up to. Ouh, une minute. Bonjour à tous, Roland Boschi, dessinateur depuis 6 ans chez Marvel Comics. Précédemment, je travaillais dans l'animation, dessin animé, de séries, télé. Et voilà, je continue mon chemin là, dans l'univers du comics. Je travaille sur des numéros, j'ai commencé par Ghost Rider, Punisher, puis je travaille sur des numéros comme Magneto, X-Men en ce moment, et Winter Soldier. Voilà pour les projets en cours. Je suis mercenaire du dessin, c'est-à-dire que je fais à peu près tout. J'ai fait de la BD dans ma vie, j'ai fait de l'animation, j'ai travaillé sur des films, je fais de la publicité, de la communication, je fais un peu tout. My name is David Messina. I'm a comic book artist from Italy. I work mostly for IDW. I work on Star Trek, on the prequel for the J.J. Abrams movie. I work on Angel, True Blood, and I worked with Marvel on Wolverine, Ultimate Wolverine, and I work with Image on The Bounce, a comic book creature of net by me and Joe Casey that will be published in France for the Delcourt edition. Hello, my name is Sara Pichelli, and I'm a Marvel artist, and I worked on Ultimate Spider-Man, especially the one with Miles Morales, and Guardians of the Galaxy. Alors, le public français doit me connaître un petit peu avec mes premières BD qui étaient sorties chez des éditeurs français. J'ai fait une série chez Dargo, une petite série chez Delcourt, j'ai travaillé chez Glénat au début. Et depuis quelques temps, j'ai signé une série chez Dargo aussi. Bon, je viens juste de commencer, donc j'en parlerai plus tard. Et j'ai aussi la chance depuis juin-juillet de travailler pour les deux gros éditeurs américains que je convoitais depuis longtemps. Je bosse sur plusieurs projets. En fait, je bosse sur un petit projet de comics indépendant français. Je peux pas trop en parler, mais c'est un truc qui ressemble un petit peu à John Carter. Donc voilà, il y a quelques pages qui ont été faites, dont j'ai quelques visuels ici. Je bosse aussi sur un projet plus perso, avec un tueur de monstres un peu à la type Hellboy, mais dans un corps humain. Voilà, ça c'est un projet perso. Une idée de date de sortie sur ce projet ? Pas du tout, non, c'est vraiment, je travaille dessus quand j'ai un peu de temps libre, donc il n'y a pas vraiment de date de sortie, ça sera fait quand ce sera fait. Well, I stepped away from the US comics for a while, and I'm working on a Belgium big project that I just came out last week, but I'm working on some new projects too, which I cannot say anything about. I have to kill you if I would, but... Un truc top secret, non. En ce moment, on travaille aux éditions Soleil avec la BD PSG. On a sorti le tome 1, il y a le tome 2 qui arrive. On est aussi sur Delcourt dans la série 7. Après, en projet futur, on risque d'avoir un Geek Agency qui va être une espèce de relaunch. Alors qu'on va reprendre la série, on va faire un relaunch, je pense, sur le participatif via Ulule. Donc on vous tiendra au courant sur les Facebook. Voilà, grosso modo à peu près. Après les projets perso, Phil est sur un truc, moi je suis sur le mien. Et on voit aussi via Ulule pour sortir un peu du côté éditeur et faire les trucs un peu de notre côté tranquillou. Voilà.
C'est difficile de parler des projets futurs. Simplement, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire en creator own avec les droits des personnages et sortir un peu des éditions de franchises de personnages. Donc, c'est des choses qui se mettent en place, oui. Et puis, quant au projet plus proche chez Marvel Comics, ça sera de l'ordre d'un run avec le scénariste avec qui j'avais travaillé précédemment, Rick Remender, sur l'Hydra, qui aurait mis la main sur le monde et un peu gagné la bataille. Donc je suis assez impatient de faire ce run. Voilà. Ok, unfortunately, two projects really top secret I'm working on. One creator owned project and the other one is a comic book series, a completely new comic book series for one of the most important publishers in the USA, but I can't still say anything yet. C'est pas du top secret, on va dire c'est le plus récent, c'est je viens d'obtenir 20 pages de Batgirl à faire, c'est le petit plaisir personnel, j'ai hâte de m'y coller quoi, et surtout que j'adore la nouvelle série, je trouve qu'ils ont fait un super boulot. Et puis sinon, donc voilà, ouais, je me colle à une histoire de Japon médiéval fantastique avec David Chauvel pour chez Dargaud. Et pareil, ça, je viens juste de le commencer, donc voilà, c'est pas top secret, mais c'est le plus nouveau, on va dire. Alors, Noël approche. T'as un ami qui voudrait acheter un comics ou une BD. Tu lui conseilles quoi ? J'ai droit à comics, manga, BD ? Ouais. Alors, s'il est plutôt adulte, je lui conseillerais Magical Girl of the End, qui est un manga avec des Magical Girls, mais en mode zombie hyper badass et énorme. Voilà. S'il est plus enfant, je lui conseille l'intégrale de Pokémon, la nouvelle qui est juste à tomber par terre, et Chi, le petit chat. Voilà, niveau comics, j'avoue que j'ai un peu lâché les comics. Il n'y a plus grand chose qui m'intéresse en ce moment, donc je pourrais pas dire grand chose. Et la franco-belge, c'est pareil. Si, acheter PSG. Alors là, je dirais directement, en ce moment, il y a la storyline Spider-Verse chez Marvel Comics, dont toutes les séries Amazing Spider-Man. Donc c'est par le scénariste Dan Slott et le fabuleux dessinateur français Olivier Coipel. Donc il n'y a pas à réfléchir, il faut jeter dessus. Ooh, well, that's a tough question. I would go for X-Men comics. I don't have a special title in my mind, but you know, every comic is a good comic. I mean, you know, I cannot say there are bad comics because I'm in the field. So just buy as much comics for Christmas as you can. Currently, I'm reading. What's it? Adventure Time, which is great. I love it. Also, my daughter reads it, but yeah, I think I prefer it. I'll recommend all of those. Il peut y en avoir des dizaines que je peux lui conseiller. Mais là, je vois mon copain David Lafuente qui fait un magnifique Spider-Man. Il peut acheter ça, ouais, c'est bien. J'ai vu une ressortie de Little Nemo qui est, il n'y a pas longtemps. Et ça, en fait, c'est un classique. C'est une des premières bandes dessinées. Ça a donné tellement... c'est tellement l'origine de beaucoup de choses que je recommanderais ça. C'est très très cher. Comme c'est Noël, c'est l'occasion de faire péter un peu la carte bleue. Okay, at the moment I think to a couple of BD. One of them is Les Vieux Fourneaux. I'm sorry for my pronunciation. It's really a beautiful bande dessinée about three old men, really well drawn and well written. And the other BD I feel to suggest is John Tiffany by Ainsberg, if I remember correctly, and Dan Panosian. Really cool books. For the comic book, I feel to suggest the classic one like Watchmen or Dark Knight Returns, but even all the stuff from Mike Mignola like Hellboy in Hell and all the series about Hellboy. Wow. BD, I would recommend for sure Blast by Manu Larcenet and of course Sandman by Neil Gaiman for the American comics. C'était le choix de Sarah.
et on se revoit très bientôt.